Oh. Abutal, c'est un rappeur hors pair qui avait déjà beaucoup trop de talent pour l'époque dans laquelle on était. Et moi, je venais de commencer la musique. J'ai beaucoup appris à ses côtés parce qu'il était plus fort que moi à chaque son. Donc ça m'a forcé à être plus fort à chaque fois et plus fort rapidement surtout. Donc voilà, c'est un rappeur parisien qui a beaucoup de talent et qui arrive aussi avec son album solo. Pour moi, c'est un des meilleurs artistes qui existe. Je l'ai vu faire du rap et être meilleur que les rappeurs. Je l'ai vu chanter et être meilleur que les chanteurs. Et je vous assure qu'il danse. Il danse aussi, il dessine, il a joué au basket. En fait, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, Gims, il y arrivait facilement. C'est quelqu'un qui aime bien donner son avis en restant en retrait. Il m'a beaucoup, beaucoup apporté dans la vie comme dans la musique. Et donc voilà, tout mon respect pour Maître Gims. MHD, c'est mon petit frère, c'est comme ça que je l'appelle. Et d'ailleurs, il déteste quand je l'appelle comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, MH, à chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, il l'a fait. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai de bons liens. C'est devenu un proche à moi, en fait. Moi, j'ai découvert Patrick Fiori avec Notre-Dame de Paris. Quand j'ai écouté la voix de Patrick Fiori, c'est un truc de ouf, la voix qu'il a. Il a vraiment une voix extraordinaire. Et dans ce son-là, j'aime beaucoup Garou. Mais dans ce son-là, là, il a fini avec ça. Il a franchement, franchement, ce qu'il leur a fait, c'est injuste. J'ai croisé pour la première fois à Taratata. Je lui ai dit bonjour. Et il me dit, ça va, Dadju? J'étais choqué. J'ai dit, ouais, ça va et tout. Il me dit, j'aime beaucoup ce que tu fais et tout. Franchement, ça m'a touché. C'est quelqu'un de très humble, de très, très humain et qui a beaucoup, beaucoup de talent, tu vois. Patrick Fiori, j'ai tout mon respect.